Bonjour tout le monde. Salut, salut. Salut, salut. Après, bon, il y a un Alors petit ici c'est un problème, peu j'avais tôt pas le commencé à matin, faire les chez vous commentaires. c'est un peu tard le soir. Ouais, et toi, c'est un peu tôt. Ouais, toi c'est un peu tôt. Ouais. Mais Du bon, il n'y coup, a je pas le te choix. remercie bien, Je te Vincent. remercie bien, Vincent. Pas de souci. Super sympa. Super Avec sympa. plaisir. Ouais. Alors, ce que je me disais, c'est peut-être je vais me mettre à un endroit un peu plus calme. Parce que là, du coup, on entend toutes les pompes, tout ça. On va attendre que ça va, que ça se mette, que ça s'éclaire. Au niveau du Et son, t'entends niveau bien du toi. son, t'entends bien ou pas? Je Salut, salut. Alors, par Salut, contre, j'ai salut. pas les Alors, par noms. contre, j'ai pas les noms. Ça, c'est encore une Ça, option que c'est c'est encore encore une je option verrouille. que Ça, je je verrouille. verrouille sur Facebook. Là. Voilà. Je vais te donner des Je vais te questions, donner on des pourrait les questions, balancer vous au fur et pourrez à mesure, balancer je au fur dirais et à à mesure, je Vincent. dirai à Vincent. Ouais. Donc je pense que vous Je voyez pense que bien vous voyez bien Vincent, vous devez Vincent, avoir vous devez voir les deux les images. deux images. Salut, salut. Salut, salut. Un peu de Allez, monde voilà. quand même. Il va. Ah, bah, je sais pas, Ah, ouais, je toi, sais pas, salut. Par contre, salut. j'ai pas les Par noms contre, des j'ai pas les commentaires, mais noms c'est des pas grave. commentaires, mais c'est pas grave. Ouais, moi non plus. Ouais. Et Ouais. après, je vois les Bon, après, je vois, commentaires, je verrai les questions. je verrai les questions. Vas-y, hein, fais péter les questions. Hein. Ouais. Donc, vous avez des Ouais, questions, donc, si vous avez des allez-y. questions, allez-y. Ouais, attends, j'ai des Ouais, j'ai notifications des qui arrivent. notifications qui arrivent. Ouais. Du coup, Ouais. Vincent, tu peux nous en Du dire un coup, peu Vincent, plus tu peux nous là en dire un peu plus sur déjà sur les imports en les Indonésie, exports. enfin, les exports. Enfin, les exports, attends, 2 secondes, hein, je répare ça. Ben, les exports, donc, ben, les exports sont ouverts, sauf que, y a tout qui est à relancer, il y a toute la machine qui est à relancer. Donc, les compagnies qui n'ont pas planté de coraux il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, eh ben, ils n'ont pas de CITES. Ouais. Donc, Ouais. voilà, donc voilà, c'est pour ça que c'est lent. Donc, il y a plein de compagnies qui ont été inspectées, mais elles avaient soit des colonies mères et elles n'avaient pas de bouture prête à l'export, ou elles n'avaient plus de colonies mères, et bref, tout est obligé d'être relancé. Et donc, c'est ça qui prend du temps, quoi. Nous, on avait la chance d'avoir quand même réussi à maintenir un minimum les fermes. Et on avait préparé quelques CITES en décembre. Donc voilà, donc là, on exporte en fait les CITES qu'on a fait en décembre. D'accord. D'accord. Donc voilà, pour l'instant, on a demandé des CITES en janvier, on les a pas encore. Et là, on demande des CITES en février et on les aura pas avant la fin du mois. Ouais, Donc c'est ce qu'on voilà, me il y a eu demandait là. C'est ce qu'on me ça. demandait là. Voilà, donc c'est pour ça que c'est compliqué, hein, sachant que l'Europe, en plus, vous avez un problème supplémentaire, c'est qu'il faut un permis import. Donc, ça prend 1 mois de plus. Donc voilà, comme les permis sont maintenant valides plus que 2 mois, donc on a un permis 2 mois, on va perdre 1 mois à qu'il fasse la demande de permis import en Europe, et après on n'a plus qu'un mois à envoyer. Donc, c'est de plus en plus compliqué. Donc voilà, sachant qu'ici, donc ils ont mis en place des inspections. Donc avant, on était inspecté par les quarantaines et le Forestry Department, le département des forêts. Maintenant, on est inspecté par les quarantaines, le Forestry Department, la police de la mer et le département des pêches. Donc, chaque envoi est inspecté. Donc, en fait, ils ouvrent tout à l'aéroport et ils inspectent tous les coraux un par un, quoi. Alors, le problème, c'est que c'est des Wesh, gens qui n'ont wesh. aucune connaissance des coraux et qui ne sont pas occupés, qui ne sont pas équipés. Donc, ils essaient tant bien que mal d'essayer de comprendre quelle espèce c'est à l'intérieur, mais ils ont un peu de mal, surtout que c'est dans les sacs plastiques, quoi. Alors, nous, on fait bien attention de mettre en place des sacs plastiques transparents, parce que si vous mettez des sacs plastiques qui sont pas transparents, ils sont en plus obligés d'ouvrir les sacs. Donc ça prend encore plus de temps. Ils sont pas équipés, donc pour l'instant, ils ont même pas un bâtiment, hein, donc ça se fait sous une tente sur le parking du département des pêches. Sachant qu'ici, il fait 40 degrés, entre 40 et 50 degrés en ce moment, donc on est obligé de ramener des glaçons pour changer les glaçons.
Enfin bref, on essaie de faire en sorte que tout soit facile pour eux et qu'on puisse être inspecté parce qu'on est les seuls à envoyer des envois conséquents de plus de 30 boîtes, quoi, alors que tous les autres qui ont exporté pour l'instant, ils faisaient entre 5 et 10 boîtes. Donc voilà, mais bon, voilà, petit à petit, ça reprend son cours. Donc ça va prendre, pour l'Europe, ça va prendre quelques mois. Hein. Moi, on l'avoue, hein. Nous, on a décidé d'exporter en priorité sur les États-Unis parce que ben, il n'y a pas besoin de permis import. Voilà, on a le CITES, demain, on envoie. Ouais, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Puis voilà, puis les prix ont changé, quoi. Voilà, tous les exportateurs ont décidé de gagner leur vie maintenant. Hein. Donc en 2 ans, ils n'ont rien gagné. Personne n'est venu nous aider. Maintenant, ben, voilà, ben, le prix, c'est le prix auquel ils auraient dû être vendus depuis des années et des années. Ouais, c'est sûr, t'as Ouais, raison. c'est sûr, t'as raison. Ouais. Donc voilà, sachant que la documentation est beaucoup plus chère, donc ben, voilà, tous les coûts de CITES, de permis export, etc., etc., ont explosé. Donc on va être. Ils vont nous auditer tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, ils vont venir sur toutes les fermes vérifier. Et ben, quand ils viennent, c'est à nous que ça coûte, quoi. C'est pas gratuit, quoi. Il faut leur fournir tout le matériel, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les transporter, il faut les. Voilà, faut les assister. Ouais. Donc, voilà. Mais par contre, j'avais une petite Pas, question, tu j'avais sais, une petite question, tu sais, j'ai entendu parler, j'ai t'en as entendu beaucoup qui parler, disent t'en as beaucoup qui disent que les que premières les premières exportations, ils vont être fragiles. exportations, ils vont être Qu'est-ce que tu en fragiles. penses? Qu'est-ce que t'en penses? Alors en coraux de culture, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les tailles, elles sont pas optimales, quoi. Donc, pour l'instant, les coraux sont encore petits, quoi. Parce que, évidemment, maintenant, chaque corail doit avoir son tag, doit tout être fait comme il faut. Donc on s'est retrouvé à planter au dernier moment. On a beaucoup planté depuis décembre, mais bon, les cultures sont encore petites, quoi. Donc il y a pas mal d'espèces sur lesquelles les tailles sont encore réduites. Fraîches, non, je pense pas que ça fasse aucune différence. Et une chose est sûre, c'est que sur Bali, on a encore un blanchiment cette année. On a à certains endroits, le nord-est de Bali, l'eau elle est encore à 30 degrés. Elle est à 30 degrés depuis fin août. Depuis fin août, moi qui suis frileux, qui aime bien plonger, tu vois, l'eau à 25 degrés, je suis en 5 mm, semi-étanche. J'aime bien, tu vois, j'ai froid sous l'eau. Depuis septembre, je plonge en shorty. Alors, je crois que j'ai jamais eu l'eau aussi chaude aussi longtemps. Donc voilà, et là, elle est encore à 30 degrés et ça baisse pas, quoi. Alors, dans le sud de Bali, on est à 25, donc ça va. Et sur Java aussi, ça va à peu près, quoi. Mais donc, il y a certaines fermes, ben, je préfère pas, il y a les fermes qu'on a au nord-est de Bali, je préfère pas les collecter de coraux là-bas, parce que je sais qu'ils vont être fragiles. Même s'ils sont pas blanchis, même si ça va, quoi, extérieurement, on a l'impression que tout va bien. Après, dès qu'on les stresse un peu, qu'on les amène ici, qu'on les remballe, tout ça, ils stressent facilement et on a des problèmes. Donc ces fermes-là, qui sont dans les zones où l'eau est encore chaude, j'évite de les exploiter pour l'instant. Ouais. Ouais. D'accord, ouais, du coup, il D'accord, faudra, ouais. de toute Du coup, il façon, comme faudra, de tu toute dis, façon, ça va comme tu mettre dis, de du toute façon, temps ça va avant mettre qu'on du ait temps un avant que nouveau déjà le Voilà, recrutement. Alors, il y a un truc, c'est que évidemment, en janvier, ils ont été malins, les exportateurs de coraux sauvages, ils ont réussi à faire ouvrir les exports pour ceux qu'ils avaient en stock. Donc, ils disent qu'ils avaient plein de coraux en stock depuis 2 ans, que ça leur coûtait beaucoup d'argent, d'électricité, de les maintenir, tout ça. Et donc, ils ont réussi à convaincre le gouvernement de les laisser exporter au moins ce qu'ils avaient en stock. Donc, début décembre, ils ont été inspectés. Le gouvernement des pêches a noté tout ce qu'ils avaient en stock. Et ils leur ont donné des CITES. Donc, il y a quelques envois qui partent en ce moment de coraux sauvages et de coraux de culture qui étaient en stock dans les fermes à Jakarta. Et bon, bah là, oui, forcément, c'était des coraux. Alors, à la base, c'était des coraux qui étaient en stock depuis 2 ans. Ma foi, je ne sais pas. Je ne suis pas allé vérifier. Donc, ce que je vois sur les photos, ça ne me paraît pas être vraiment des trucs en stock depuis longtemps. Mais bon, voilà. Donc là, il pourrait y avoir quelques petits problèmes si c'est des coraux qu'ils ont en stock depuis très longtemps.
Ouais. Voilà, mais D'accord. nous, on ne fait pas de sauvage, donc bon, voilà. Par contre, tu Ouais, me par disais, contre, bah, tu me disais, ta ferme ta ferme expédoratrice vers la expédera Tonde. vers la Ah oui, France. c'est Oui, elle expédoré. Oui, tu s'expédera. l'as Oui, expédié, tu toi l'as aussi. expédié, toi Oui, aussi. c'est qu'une question de temps. Ouais, C'est, voilà, il y a une le question temps. de temps. Là, les cyclistes vont commencer à venir. Je pense que bah, d'ici le mois prochain, d'ici en mars, il y aura des envois qui seront faits sur la France, même peut-être avant. Par nos concurrents, enfin, Ouais. par les autres Ouais. fermes. Voilà. Ne vous inquiétez Et pas, ça va venir. il y aura des soucis Ils qui seront seront plus des soucis qui compliqués à seront voir qu'avant, compliqués je à voir suppose. qu'avant, je suppose. Alors, nous, on a des nouveautés. Nous, on a quelques nouveautés qu'on n'avait pas avant. Après, ben voilà, ça dépend des fermes. Il y en a certaines qui ont eu l'intelligence de produire en masse et d'obtenir le maximum de colonies mères des fermes, des espèces et des souches importantes. Et il y en a d'autres, mais après, bon, voilà, il faut connaître le marché. Le problème, c'est que la majorité des fermes ne connaissent pas très bien le marché, donc elles ne savent pas exactement quoi planter. Bon, voilà, nous, on a fait attention, voilà, donc on a bien développé nos colonies mères de toutes nos souches de Millepora, de Ténuis, et donc on a des nouvelles souches de Millepora, on a des nouvelles souches de Ténuis, tous les Microclados, on a en deep water. On a une nouvelle variété de Gold Dragon. C'est comme le Red Dragon, mais il est doré. Ouais. Ouais. Mais non, je pense pas qu'il y ait des souches. Ce qui va être difficile, c'est au niveau des LPS, quoi. Ça, c'est sûr. Au niveau des Euphilia, ça va être très compliqué, quoi. Ouais. Pour Ouais, tout le monde. parce que, parce que tu sais, ouais, on parce que parle tu sais, toujours on des parle fois toujours pour en les Deepfoot Ophelia pour les Ophelia, Golden Torch, Golden Torch, ils étaient ils étaient plus costauds plus les costauds Golden Torch d'un plus Nordique ou costauds d'un d'Australie. Nordique ou d'Australie. Ah bon? Plus Ouais, costaud d'Indonésie rien, que on sortait d'Australie. tout sur entend que ces ça tout sur autant les que réseaux ça enfin sur les sociaux. réseaux sociaux Il y a t'as beaucoup beaucoup de de gens gens qui qui se se plaignent plaignent des des Ophelia Golden Torch des Golden d'Australie. Torch d'Australie. Ouais, ma foi, je sais pas. Moi, là où je suis allé en Australie, et les gens avec qui j'ai travaillé en Australie, ils n'avaient pas de problème avec les Golden Torch. Hein. Le truc, c'est ça, hein, c'est que alors. Tous les Euphilias sont collectés dans les récifs internes en Australie, hein, donc c'est pas trop loin des ports, quoi. Donc on est à 1 ou 2 heures, quoi. Donc le corail il est collecté au maximum 7 ou 8 heures plus tard, il est dans le bac de l'exportateur, quoi. Alors que bon, en Indonésie pour les coraux de culture, évidemment c'est assez simple, hein, puisque les fermes en moins d'une heure ou en moins de 2 heures, les coraux sont chez les exportateurs. Mais en ce qui est coraux sauvages d'Indonésie, à l'époque, il leur fallait 3 jours au coraux pour arriver chez l'exportateur. Hein. Donc c'est ça qui les abîmait beaucoup, quoi. Moi, j'ai toujours eu l'impression que les coraux d'Australie, par rapport aux coraux d'Indonésie, bon, pas les coraux de culture, hein, c'est à part, mais les coraux sauvages d'Australie avec les coraux sauvages d'Indonésie, j'ai toujours trouvé que les coraux sauvages d'Australie étaient de bien meilleure qualité que les coraux sauvages d'Indonésie. Parce que. En quelques heures, les coraux étaient chez les gens. Après, pour les Acropora, c'est une autre histoire parce que là, il faut qu'ils aillent très loin les chercher. Et donc, ça met quelques jours, enfin, ça met longtemps pour revenir. Ça tape beaucoup, ça c'est agité, il y a des problèmes de température. Les coraux, ils prennent des claques. Les Acropora prennent vraiment des grosses claques. Donc, je pense que sur les Acropora, les Australiens ne pourront jamais, jamais concurrencer l'Indonésie Ouais, au niveau je sais. qualité. Après, moi, je me rappelle les Ophelia Ancora australiens qui étaient vraiment d'une qualité incroyable, quoi. Moi, je mettais les mains dans les bacs, je me faisais piquer, alors que ça m'arrivait jamais ici en Indonésie. Donc, on sentait qu'ils étaient frais et qu'ils étaient vivaces. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'était des C'est vrai reproches que qu'on voilà. avait Après, relevés. les coraux de culture indonésiens, oui, bah, les coraux de culture, oui, forcément, hein, si le corail il est cultivé. À 1 heure ou à 2 heures de la ferme et qu'il est exporté, oui, il y a peu de stress, donc forcément la qualité est bien meilleure. Ouais, puis après, Ouais, puis c'est après, pareil, c'est il du parlait aussi voyage. du voyage. C'est plus C'est rapide de plus rapide. Exactement, c'est un voyage plus rapide Mais ça rejoint pour ce qu'on rejoint entend ce sur qu'on les réseaux entendait sur les sociaux, réseaux quoi. sociaux, quoi. Tous les Tous accros les tout accros plus fragiles fragiles d'Australie. d'Australie.
Avec les Et FPS, que les le FPS problème, sont costauds. qu'il y a aussi, c'est que les accros d'Australie, ils viennent d'un environnement où, voilà, c'est où qui est vraiment d'une pureté incroyable, quoi. Donc, si vous n'avez pas un bac qui est au top du top, laissez tomber, quoi. Ça va pas le faire, quoi. C'est des coraux qui vivent dans des eaux. Les strawberry shortcake, ça vit sur la ligne externe de la grande barrière de corail. Donc, c'est à l'extérieur, c'est devant la grande barrière de corail. Il y a des vagues de 10 mètres, il y a l'eau, il y a 50 mètres de visibilité pratiquement tout le temps. C'est des conditions océaniques, quoi. C'est très particulier, quoi. Donc, c'est pas fait pour être dans un aquarium, quoi. Enfin, moi, je connais pas d'aquarium. Je n'ai jamais vu un strawberry shortcake dans un aquarium qui soit rien que la moitié de la beauté d'un strawberry shortcake sur le récif. Voilà. Donc, mais les gens, voilà, les gens sont obsédés par les strawberry shortcake. Et voilà, c'est le Saint Graal. Tout le monde veut du strawberry shortcake, alors qu'il y a plein d'autres acropora qui sont beaucoup plus faciles à maintenir, mais ils veulent du strawberry shortcake. Bon, ben voilà. Donc, on leur donne du strawberry shortcake. T'as raison. Mais non, mais c'est comme ça que ça marche, hein. Moi, ça me mettait en colère quand j'étais en Australie, parce que ben, le strawberry shortcake, comme je vous dis, c'est 3 h 30, 4 h de bateau pour... À 40 nœuds sur des vagues pour y aller, c'est 3 h 30, 4 h pour revenir. Vous passez 4-5 heures sur l'eau juste pour aller chercher des strawberry shortcake. Et si le mec il a pas ses strawberry shortcake, il veut pas prendre l'envoi. Donc vous êtes obligé de risquer votre vie pour aller chercher des coraux que vous sachiez, dont on sait pertinemment que les gens vont pas être capables de les maintenir correctement. Ça n'a pas de sens. Mais voilà, c'est comme ça. Comme ça. Tiens, il y en a un qui Putain, me il y en a un qui demande, me demande, je vois les grosses les pièces que j'ai grosses entendu pièces que j'ai parler qui entendu vont parler arriver, vite, mais les toi, autres elles sont sont sauvages. sauvages. Ouais. C'est ce que tu disais C'est ce tout que à tu l'heure, disais quoi. tout à l'heure, quoi. A Bah, priori, a ça va priori, être ça devrait vraiment. être du sauvage. Non, bah après, oui, alors le truc, c'est toujours pareil, quoi. Des fermes en Indonésie qui sont capables. Des fermes en Indonésie qui sont capables de maintenir des coraux, des acropora pendant 2 ans, moi, j'en connais pas. Donc, voilà, donc tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais après, nous, en culture, on a des grosses pièces, quoi. Après, est-ce qu'on va les exporter ou pas? Je ne sais pas encore. Ouais, puis maintenant, tu as Et les puis maintenant, tu as parce les que ben, grosses boutures les boutures. qui bouturent. Ben, après, le truc, c'est que voilà, c'est vous voulez des grosses boutures, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que ben, c'est plus risqué à envoyer. Ça coûte plus cher au niveau fret. Et que pour l'instant, avec le département des pêches, on essaie de la jouer plutôt simple. Parce que bon, ils veulent pas qu'on emballe plusieurs espèces dans une boîte. Il faut que tout soit à la même taille. Il faut que tout soit. Enfin bref, pour l'instant, c'est encore compliqué d'essayer de faire quoi que ce soit d'autre que quelques espèces bien restreintes. Mais bon, ça va. Ils vont apprendre, quoi. C'est pas des marins. Ils n'ont jamais mis la tête sous l'eau. Ils savent pas nager. Donc, petit à petit, ils vont apprendre, quoi. On va les amener quelquefois en mer, ils vont comprendre que c'est pas facile de travailler en mer, et puis ils vont se calmer un peu. Ils se rendent pas Ils se compte, rendent comme pas passer la compte, en journée en passant la mer, c'est journée pas en mer, c'est facile. pas facile, hein. Les mains dans l'eau, Ah les ben mains non, dans l'eau, ça tout. paraît comme un boulot de rêve. Allez, quand vous voulez, les gars. Quand vous voulez, les gars, C'est sûr. vous voyez les fermes quand les conditions sont parfaites. Que c'est la bonne marée, qu'il n'y a pas de vagues, qu'il fait beau. Ah oui, là, c'est magnifique, quoi. Bon, on prend des coups de soleil, hein, mais voilà. Mais quand les conditions sont pas top, c'est plus du tout la même histoire. J'imagine, hein. J'imagine, hein. Quand il y a du courant, des vagues, et qu'il y a 50 cm de visibilité, c'est plus la même histoire. Les gens ne se rendent pas compte. Non, mais c'est Voilà, sûr, parce c'est sûr. qu'il y a des fermes, il faut 4 heures pour y aller, 4 heures pour revenir, ou passer 3 heures sous l'eau. Ça fait des grosses conditions quand même. Après, C'est amené au même au c'est niveau amené au du même au prix, niveau ça, du tu prix. C'est vrai que disais, tu disais, l'Andorran, la c'était pas Dorance, cher, c'était mais pas c'était cher, mais abusé c'était au niveau abusé du au prix. niveau des prix, quoi. Exactement. Bah, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y a des coraux qui se vendaient 4-5 euros, quoi. Non, mais c'est Non, fou. mais c'est fou. Donc, 4-5 euros, ben voilà, le producteur, il touche quoi? Il touche 1 euro. Le mec qui s'est fait chier à planter le corail, à le nettoyer et à le collecter, eh ben, il touche 1 euro. Donc, ben voilà, ben forcément, après, les mecs, ils sont pas intéressés pour faire de la culture de corail. Ou alors, ils prennent des raccourcis, quoi. Ils le font pas Oui, c'est correctement. ça.
Voilà, donc il n'y a pas de secret, quoi. Si vous mettez le prix, c'est fait correctement. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut retomber dans les mauvaises habitudes d'avant, et donc ben, on va payer pas cher, et puis les gens vont prendre des raccourcis, et puis dans 2 ans ou 3 ans, on va être refermé à nouveau. Voilà, donc personne n'est gagnant. Ou alors on mise sur le long terme, et on fait les choses correctement, et au contraire, on essaie de faire avancer les choses, d'améliorer les techniques, d'améliorer le nombre d'espèces, de diversifier les techniques, aller dans de la production sexuée, etc., etc. Il y a moyen de faire les souches très spéciales, les cultiver à terre, etc., etc. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à développer, il faut juste s'en donner les moyens, c'est tout. Mais du coup, Mais il du doit coup, avoir moins il de doit avoir moins de fermes, fermes parce que depuis deux ans, depuis il n'y en a deux pas ans, fermé. elle n'a pas fermé. Alors, il y en a plein qui ont fermé, hein, puisque il y avait 54 compagnies qui avaient la licence il y a 2 ans. Et il y en a combien qui ont été audités? 24? 25, bah, Voilà. il y en a 25. 34. Donc, il y en a déjà 20 qui ont disparu de la liste. Sur les 34, pas tout le monde a eu l'autorisation d'exporter. Donc, il y en a, je sais pas exactement combien, quoi, mais il y en a une Ah, la demi. liste, nous, c'est 14. Qui n'ont pas pu exporter. Non, je crois aussi. À Bali, il y a juste 14 compagnies qui ont pu exporter. Donc, Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, donc c'est pas ça fait beaucoup. pas beaucoup, quoi. Ouais. Donc voilà, donc il y a plein de fermes qui étaient à l'abandon, donc elles n'ont pas reçu l'aval pour réouvrir. Donc voilà, donc il y a beaucoup moins de fermes qu'avant, quoi. Et surtout, y a beaucoup moins de quotas, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ouais, oui, Ouais, c'est oui, surtout ça, donc parce oui, en que plus, il ouais, aurait c'est. fallu au mois de décembre, donc après plus d'un an et demi à pas pouvoir exporter, que au mois de décembre, 1 mois avant l'ouverture, vous ayez déjà toute votre production de prête à être exportée. Et ça, il y a beaucoup de compagnies qui n'ont pas eu le temps de nettoyer et de recommencer à planter parce que ça coûte cher. Donc voilà, donc c'est ça le problème en ce moment, c'est qu'au final, c'est même les plus grosses fermes. Je connais la plus grosse ferme en Indonésie, elle n'a pas encore commencé, elle n'a pas encore fait un envoi. Donc ça prend son temps, voilà. Alors que nous, on n'est pas la plus grosse, mais on a déjà 3 envois. Ah d'accord, ouais. Donc voilà, c'est juste une question de préparation et voilà quoi. Mais vous Mais l'avez ça, d'ici obtenu dans sur... 2 ou 3 mois, ce sera réglé, ça. Ouais. Ouais, parce que du Ouais. coup, Parce que du coup, vous l'avez su vous vraiment qu'en l'avez su décembre vraiment qu'en que décembre ça allait rouvrir. que ça allait rouvrir. Ah ben moi, au 10 janvier, enfin, on savait dès que le ministre est passé, on savait, il nous a dit qu'on allait réouvrir en janvier. Mais bon, tant que c'est pas fait, vous n'êtes jamais sûr de rien, quoi. Ouais. Et au 10 janvier, on était au courant de rien, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, Ouais, c'est c'est ça. Au vrai, quand 10 je dis, je m'étais janvier, oublié et le 4 13 jours janvier, je après, crois. boum, ils nous ont dit, c'est bon, on peut exporter, quoi. Ouais, c'est Ouais, chouette. Donc Je trouve au que 10 vite la janvier, on était sûr de publication. rien, quoi. Ouais. C'est, bon, il faut savoir un truc, hein, c'est qu'en Indonésie, la communication, c'est pas leur fort, quoi. Donc surtout au niveau du gouvernement, ils font toute leur petite sauce entre eux et il n'y a rien qui sort. Et voilà, quoi. Donc surtout, nous, on est à Bali et tout se négocie à Jakarta. Donc c'est toujours compliqué d'avoir des informations, correctes. Ouais. Ouais. Attends, mais vas-y, mais en Voilà. quoi, Vas-y, on est en dit quoi? fait, En PS, fait, PS, il y a beaucoup de il y a cultures beaucoup en de Indo ou cultures en c'est du Indo ou sauvage? c'est du sauvage. Hein. Alors, le problème, c'est ça, c'est que oui, voilà, pendant des années et des années, c'est pour ça qu'on a été fermé. Hein. C'est parce que les mecs, ils faisaient du LPS, que les gens en Europe ont fait tomber les prix, ont essayé de négocier les prix, négocier les prix, négocier les prix, négocier les prix. À force de négocier les prix, les prix étaient en dessous des coûts de production réels, hein, parce que, voilà, des œufilia, voilà, avant de pouvoir produire une bouture d'œufilia, il faut que vous plantez des œufilia et que vous attendiez au moins 3 ans. Donc, ça a un coût, quoi. Et à force de faire baisser les prix, les gens ont pris des raccourcis et puis les conséquences, on les connaît. Voilà, les conséquences, c'est que, voilà, il y a des gens qui ont pris des coraux sauvages, ils les ont collés sur des supports en béton et ils les ont fait passer pour des coraux de culture et puis le résultat c'est qu'on a été fermé pendant 2 ans.
Voilà, donc c'est à nous de savoir si on veut apprendre de nos erreurs ou si on veut continuer dans la même lignée et continuer à faire les mêmes erreurs. Ouais, c'est Voilà, pour si on veut ça. Ouais, c'est pour continuer à ça faire les que mêmes je erreurs, rentre si on veut entre des les deux. cours au pas cher, eh bien, dans quelques années, on n'en aura plus. Ouais. Ouais. De De toute façon, toute façon, j'ai j'ai entendu là, entendu tout ce qui déjà est tout pierre ce qui est vivante pierre vivante et Coromou, Coromou, il y a il y c'est pas les a potes, c'est pas alors les francs. il y a pas d'expo. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, ils nous autorisent pas. Ça va tout va être donné au compte-gouttes, un par un. Donc, pour l'instant, même Coromou de culture ou pierre vivante de culture, pour l'instant, c'est niet. Voilà. Pour l'instant, c'est pas possible. On attend. Voilà, on attend. On a déjà fait des lettres, on a déjà fait des courriers, on a déjà demandé des explications, on a déjà demandé à être inspecté, on a déjà demandé. On leur a déjà montré des échantillons. Voilà, on attend. Parce qu'en plus, Parce qu'en c'est plus, vrai que c'était c'est vrai que les c'était pierres les vivantes pierres vivantes d'Indonésie, hein. d'Indonésie, C'était les meilleures c'était les meilleures qualités puis c'était les qualités moins puis chères, c'était les quoi. moins chères, quoi. Non, bon, alors de toute façon, les pierres vivantes sauvages, ça c'est autre chose. Ça, je sais pas, je sais pas, je peux pas en parler. Je sais, on est vraiment dans le. C'est vraiment très très sombre, très très flou à ce niveau-là. On ne sait pas ce qui va se passer. Sur le sauvage, c'est que donc ils ont été autorisés à exporter ce qu'ils avaient en stock. Et une fois qu'ils ont fini leur stock, normalement, il n'y a plus rien. Voilà. Alors ils essaient de négocier avec le gouvernement pour essayer de rouvrir les quotas à 2020. Voilà, je ne sais pas s'ils vont y arriver. Et ensuite, il y a une loi qui date de 2016 qui prend effet en 2021 et qui ferme l'export de coraux sauvages. Le truc où c'est ambigu, où c'est pas dit, c'est pas explicite dans la loi, c'est est-ce que ça marche pour seulement pour des nouvelles entreprises qui voudraient obtenir la licence d'export de coraux sauvages, ou si c'est valide aussi pour les sociétés qui ont ces licences-là depuis des dizaines d'années. Donc, est-ce qu'ils vont renouveler les licences qui arrivent en fin de parcours? Aucune idée. Donc ça va vraiment dépendre de l'interprétation du ministre. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il y a une loi qui va être vraiment difficile à faire tomber. Voilà. Donc, moi, je pense que peut-être qu'ils ont une chance de passer en 2020, mais en 2021, ça va être très, très, très compliqué, quoi. Ouais. De toute Ouais. façon, il faudra De toute trouver des façon, il faudra trouver des alternatives, quoi. alternatives, quoi. Donc, l'export de coraux sauvages d'Indonésie, voilà, j'y compterai pas trop, quoi. Ouais. Mais bon, tout Risqué est pas. possible, hein, Risqué c'est pas. l'Indonésie. Hein. Ouais, ça peut Ouais, ça changer, peut hein. changer. Hein. Ça peut, Ça il suffit peut déjà. de, il suffit d'un ministre qui saute et puis c'est reparti. Hein. On l'a bien vu. Ouais, bah ouais, c'est On l'a ça. bien C'est vu. ça C'est le ça, discours, hein, du c'est ça le moment. problème, c'est ça le danger, quoi. C'est que les gens ne comprennent pas. C'est qu'il suffit d'une personne. Une personne, alors que ce soit le ministre des Pêches, la ministre des Forêts, le ministre du Commerce, de l'économie. Les douanes, elles dépendent de qui? Voilà, le ministre des Finances. Bon, voilà, tous ceux où on a besoin d'une signature pour réaliser un envoi, et ils sont nombreux, peuvent nous bloquer. Donc, Par contre, si ça, il suffit d'un ministre, que je vous dis, hein, déjà, je vous ai cité quatre ministères. Où il suffit que le ministre soit contre le marché des aquariums et on est mort. Donc, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui commencent à faire n'importe quoi et à faire des conneries et on va être fermé. Et puis voilà, c'est toujours pareil, quoi. Le problème, c'est que comme eux, ils comprennent pas comment ça marche, ils font pas de différenciation entre ceux qui travaillent correctement et ceux qui font n'importe quoi. Donc au final, c'est toujours pareil, c'est tout le monde qui prend. Donc Ouais, voilà. c'est le Ah, problème. c'est le problème. Ouais. Et en Et plus, ouais, c'est en vrai que c'est plus, quand ouais, même c'est vrai que bon c'est quand même bon pour pour l'Indonésie. Si l'Indonésie, jamais ils sont si payés à jamais ils juste sont payés à valeur juste et pas valeur, cher, ouais, ça fait de plus cher, ça l'emploi. fait de l'emploi, quoi. Bah oui, le jeu, c'est ça, quoi. C'est, moi, je trouve que c'est Ouais, la un peu beauté gagnant-gagnant, de quoi. la culture de corail, c'est que ça emploie pas mal de pêcheurs, quoi. C'est que, c'est, voilà, Ils étaient quoi. sous-payés. Ils étaient Après, sous-payés, quoi. c'est des métiers difficiles, hein. Donc, les jeunes Indonésiens, ils veulent pas faire ça, hein, comme métier. C'est difficile de trouver des jeunes qui veulent travailler là-dedans, hein. La majorité de nos pêcheurs, enfin de nos fermiers qui travaillent avec nous, c'est quand même des gens d'un certain âge, quoi. C'est des gens entre 35 et 50 ans.
Parce que Les jeunes, bah, les ils n'y vont jeunes, pas, quoi. ils veulent pas travailler en mer, en plein soleil, sous la chaleur, sous l'eau, des métiers à risque, etc., etc. Donc c'est délicat de trouver des gens qui veulent faire ce métier-là. C'est pas un métier facile. Et pareil, tu Et crois pareil, tu crois toujours au toujours niveau de au l'export niveau avec de l'export avec l'Australie et l'Australie et l'Indonésie, ce que l'Indonésie, ça va que donner, ça va donner. il y aura moins Il y aura moins d'Australie, l'Australie d'Australie, va et descendre les l'Australie va descendre des prix prix. ou... Bah écoutez, moi je pense que si l'Australie descend les prix, il va se passer qu'ils vont tous fermer, quoi. Parce que les coûts en Australie sont. Bon, moi je rêve d'avoir un bateau comme il y a en Australie, hein. Mais voilà, des bateaux à 1 million d'euros, c'est pas possible, quoi. Puis après, bah, il faut mettre de l'essence dedans, quoi. Et l'essence n'est pas donnée en Australie, donc les coûts de collecte sont quand même très élevés, quoi. Les licences de collecte sont très chères aussi, quoi. Et puis l'Australie, c'est un pays où toutes les normes de sécurité, tout est respecté. Il faut tout avoir en double sur un bateau. Il faut, enfin, c'est hors de prix, quoi. C'est hors de prix, Ouais, donc parce que... Ouais, parce que... de faire tourner une station de collecte en Australie, bon, en sachant qu'il faut aller à 170 km pour aller collecter, c'est hors de prix. C'est un métier de fou. Il faut être fou pour faire ce métier. Et les coûts, enfin, la moindre opération avec un seul pêcheur, c'est plus gros que ce qu'on a ici, quoi. C'est délirant, c'est délirant, c'est délirant. C'est délirant. Donc non, ils peuvent pas baisser les prix, quoi. Les Australiens, vous trouvez ça cher, mais malheureusement, voilà, quoi. Ils peuvent pas baisser les prix, quoi. S'ils baissent les prix, ils vont fermer. Donc ce qui va se passer, c'est ce que je pense, c'est qu'il va y avoir plusieurs sociétés en Australie qui vont fermer, ça c'est sûr. Ouais, parce Enfin, il y que aura moins d'exportateurs. avant On avait tout Mais l'Indonésie, après, nous, on a pas l'Indonésie, on avait très peu Scolinia. d'Australie. Il y a plein de coraux qu'on n'a pas ici, hein, les Scolinia, les Blastomoussa Wallsii, les Euphilia qu'ils ont. Les Euphilia en corail avec les gros tentacules, on en a quelques-uns en Indonésie, mais pas les colorations qu'eux, ils arrivent à avoir. Les Wilsoni, les Bowerbenki, enfin, il y a quand même plein, plein, plein de coraux qu'on n'a pas ici. Les Goniastrea palawensis, là, on les a pas ici non plus. Bref, il y a quand même beaucoup d'espèces qui sont endémiques à l'Australie, donc quoi qu'il se passe, vous ne pourrez pas les avoir en Indonésie. Bah, c'est vrai qu'il y avait Donc, des sacrés sacré LPS LPS. voilà. Donc après, sur du SPS, je pense que ça va être, de toute façon, leurs Acropora étaient pas bons, hein. Mais ils vont continuer quand même à exporter du strawberry shortcake, ils vont continuer à exporter de l'échinata. Il y a quelques espèces que nous on n'a pas dans ces colorations, ou qu'on n'a pas aussi bien qu'eux, qui vont continuer à exporter. Ouais, puis en plus, Ouais, puis en plus, vous avez moins de vous avez quantité à moins de envoyer, quoi. quantité à envoyer, quoi. Ah, nous, on a beaucoup plus de quantité à envoyer que. Ouais. Non, non, non. Nous, on envoie beaucoup plus de quantité que l'Australie, quoi. Eux, ils peuvent se concentrer sur des petites quantités, quoi. Quand je vois les valeurs des envois de 20 boîtes, par rapport à la valeur des envois de chez nous de 20 boîtes, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Un bon exportateur d'Australie qui fait attention un peu à ce qu'il fait, à ce qu'il vend et à ce qu'il collecte, une boîte, elle a une valeur. Une boîte, c'est 2000 dollars, quoi. Une boîte de coraux, quoi. Alors que nous, on n'atteint même pas la moitié, hein. Donc, en valeur. Bon, après, nous, on a des coûts d'exploitation qui sont quand même beaucoup plus bas, quoi, hein. Voilà, quoi. Mais après, bon, il faut savoir qu'avec le changement climatique, quand même, on prend beaucoup de risques, quoi. Ça nous arrive de perdre des fermes entières. Oh la vache, Hein. oh la Donc vache, là, ouais. quand on perd des fermes entières, c'est des coûts. Ouais, on perd beaucoup d'argent, quoi. Voilà, ça, il faut le rentrer dans l'équation. Ah oui, bah c'est Ah vrai, oui, mais bah vous c'est avez vrai, aussi des s'il y a une tempêtes, hein, tempête, sous un l'eau. sous l'eau. Alors, des tempêtes, on n'a pas trop souvent ça, parce que quand même, on fait Ouais. attention, on sélectionne les sites
qu'on utilise avec beaucoup de soin. Donc, on a des problèmes de tempête, donc on peut avoir deux, trois tables retournées, une partie de la ferme qui s'est ensablée. On peut avoir des petits problèmes comme ça, mais en général, on réagit vite et bon, voilà, on va perdre une table ou deux, mais c'est pas bien grave, quoi. Par contre, quand il y a les blanchiments, ça peut nous arriver de Dans la perdre ferme. toute la ferme, quoi. Ouais, Et ça, on ça se nous rend est pas, ça, on se rend arrivé, pas ben, ça compte, nous est nous. arrivé en 2016, quoi. Donc, nous, on a eu deux années, enfin, 3 à 4 années compliquées, quoi. En 2016, on a eu un gros blanchiment, on a perdu deux fermes. 2017, on a perdu une ferme à Bolongui. Et 2018, ils nous ont fermé. Donc voilà, mais après, tout est lié, hein. C'est-à-dire que tous les gens ont perdu des fermes. Après, il faut les relancer en exploiter. Donc, il y a eu une baisse de la production parce qu'il y avait moins de fermes. La demande était toujours assez haute. Donc, il y a plein de gens qui ont saisi les opportunités pour faire des coups de travers, quoi. Ouais, comme Ouais, comme le logique, levier bien de sûr. toisson. C'est toujours les mêmes, quoi. On les connaît, hein. Ouais, On sait qui c'est, hein. C'est toujours les mêmes. on sait. On sait. Tiens, on me demandait, est-ce qu'on aurait du Est-ce mal à qu'on aurait du mélanger mal à l'espèce mélanger les espèces australienne australiennes avec l'indo dans avec nos bacs ou l'indo devrait dans faire nos un bacs bac ou juste pour devrait les faire un bac aquarindo juste pour à les part? aquarindo à part? Ça dépend quels accros australiens. Alors, si c'est de l'échinata australien, il ira, je pense, à peu près correctement avec les coraux indonésiens. Les Millepora tenuis australiens, pas de problème avec les coraux indonésiens. Par contre, il faut bien les désinfecter, hein, parce que les accros australiens sont sérieusement ch'touillés, quoi. Ils ont beaucoup de flatworms, ils ont beaucoup de vers. Voilà, après Strawberry Shortcake, voilà, Strawberry Shortcake, Anthocercis, ces espèces-là, Ouais, ça, c'est il faut un dans un bac bac spécifique. spécial, voilà, il faut un bac spécifique, quoi. C'est comme ça que je le vois. Donc, voilà, quoi. Et puis, même, je discute souvent avec Jack. Jack, il est en train de monter un bac de coraux, spécialement pour les coraux australiens, et il monte un bac de coraux spécialement, enfin pour les accropores australiens, et un bac spécialement pour les accropores indonésiens. Ouais, deux bacs Donc, différents. oui, Deux bacs différents. voilà, Acropora microcladose strawberry shortcake ou Anthocercis, ça doit aller dans des bacs spécifiques, quoi, avec Ultra Low Nutriment, UNNS, une eau d'une qualité irréprochable, une stabilité incroyable, beaucoup de lumière, beaucoup de courant. Ça coûte cher de maintenir des bacs comme ça, quoi. Donc, il faut qu'ils soient équipés, il faut qu'il y ait un alcatronique ou un truc comme ça pour maintenir l'alcalinité et avoir l'alcalinité super stable. Pour doser tous les produits, il faut avoir une circulation. Dans la méthode Triton, on parle de x10, là, il faudrait faire du x20. Et au niveau de l'éclairage, voilà, on est en LED, on est à 1, 2, voire 3 watts par litre, quoi. Ouais, c'est Ouais, énorme. c'est énorme. Eh ben ouais, un strawberry shortcake dans 5 mètres d'eau, dans une eau à 50 mètres de visibilité, si vous plongez en sortie, vous prenez des coups de soleil, hein, pratiquement. Donc, voilà, même s'ils sont collectés à 15 mètres de profondeur, vu qu'il y a 50 mètres de visibilité, c'est comme s'ils étaient dans 2 mètres d'eau ici en Indonésie. Donc, Vraiment vraiment avoir un compliqué quoi. compliqué quoi. Vraiment le bac Voilà, spécifique. enfin, moi personnellement, je n'ai pas encore vu de strawberry shortcake parce que vraiment, quand on les voit sur le récif, c'est vert fluorescent et rouge fluorescent, quoi. C'est incroyable la couleur. La couleur de ce corail-là dans le milieu naturel est absolument incroyable. Et je n'ai jamais rien vu qui s'en approche un petit peu en aquarium. Et pourtant, en aquarium, il y en a quelques-uns qui sont bien colorés, hein, qui sont jolis, hein. Mais dans le milieu naturel, c'est juste incroyable. Quand on les sort juste, qu'on vient juste de les collecter, qu'on les sort de l'eau qui sont dans les paniers, donc il n'y a plus le filtre de l'eau de mer, le filtre rouge, oh, c'est incroyable, il faut des lunettes de soleil pour les regarder. Non, non, c'est vrai, hein, c'est vraiment des corons incroyables. Et je suis très heureux d'avoir eu la chance de pouvoir aller les observer dans le milieu naturel. Et voilà. Mais je pense que moi j'aime bien l'Australie, donc je pense que je vais y retourner en Australie régulièrement. Je suis pas allé à Darwin, je suis pas allé, enfin, je suis pas allé,
Je peux aller plonger à Darwin, je peux aller plonger à Perth, je vais aller voir des Wilsoni sous l'eau, je vais aller voir, je vais aller plonger avec les crocodiles à Darwin. Voilà, je vais faire, je vais aller voir comment ça se passe quand même là-bas, quoi. Donc j'espère qu'ils vont pas tous fermer, quoi. Bon, voilà, mais bon, comme je vous dis, je pense que voilà, y a pas de souci. Ils ont quand même des produits qui sont quand même d'une qualité irréprochable, d'une coloration irréprochable. Et des espèces qui sont très spécifiques, différentes de ce qu'on trouve ici. Donc je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de problème pour eux. Après, il y a d'autres. Voilà, il va quand même rester des coraux sauvages. Je sais que la Malaisie a réouvert ses fermes de sabbat, qui étaient fermées. Ils ont réouvert les fermes de sabbat. Donc il y a sabbat qui va exporter un peu de coraux. Savoir s'ils vont avoir les cités, c'est une autre histoire. Et après, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui devrait commencer à exporter des coraux sauvages bientôt. Alors là, par contre, ils auront beaucoup d'espèces qui sont similaires à l'Australie. Ils ont du Strawberry shortcake, ils ont. Mais ça risque de leur faire mal. Ouais. Voilà. Terme de... On Terme va de... me demander, est-ce que On va me toutes les belles demander, est-ce que souches toutes vont les belles souches directement aux vont USA directement aux USA ou on en aura en ou on France? en aura en France? Non, mais il y en a pour tout le monde, quoi. Ouais. Il y en a pour tout le monde. Après, c'est juste que c'est plus simple d'exporter. Plus près. Enfin, nous, Plus près. d'ici, voilà, cette semaine, on avait un envoi sur Miami. À cause du coronavirus, les vols de passagers ont été annulés. Ils nous ont mis sur un fretteur. Le fretteur a été retardé de 18 heures. Donc, on a dû changer de compagnie aérienne. Enfin, il y a des endroits, c'est comme ça. C'est, voilà. Alors que Los Angeles, bon, voilà, Los Angeles, que ce soit par les compagnies asiatiques, ou les compagnies australiennes, on a le choix, quoi. C'est facile pour nous d'envoyer sur Los Angeles. En plus, ils n'ont pas ils ont pas besoin de permis import. Et en plus, voilà, ils cherchent des trucs spéciaux. Ils sont pas regardants sur les prix. C'est facile de travailler avec eux. Les paiements, ça arrive vite fait. Donc, ben voilà, ben ça va vite, quoi. En France, il faut qu'il y ait avoir l'autorisation d'ouverture. Il faut avoir le certificat vétérinaire. Il faut avoir ci, il faut avoir ça, quoi. Un permis import, il faut 3 semaines pour l'avoir, etc., etc. C'est tout un casse-tête. Donc, ben, ouais. Et en plus, les vols sont. Alors, sur l'Europe, ça va à peu près les vols, quoi, mais les vols sont quand même plus compliqués, quoi. Donc, ben, c'est pas. On choisit donc des endroits où on sait que ça va être facile d'exporter, quoi. Parce que déjà, c'est un miracle que nous, on arrive à exporter. C'est un miracle. C'est-à-dire que, ben voilà, tant que l'envoi, il n'a pas passé l'inspection au département des pêches, on ne sait pas si ça va partir ou pas, quoi. Donc 2 heures avant l'envoi, 2 heures avant que l'avion il décolle, on ne sait même pas si ça va réussir à partir ou pas, quoi. Donc on est obligé de limiter au maximum les contraintes, quoi, et les risques. Donc, ben oui, donc Ça forcément, s'est perdu quoi. on se concentre sur les endroits où c'est le plus simple, quoi. Parce que moi, c'est toujours ce que j'ai dit. De toute façon, exporter des coraux, c'est un miracle. C'est ça que les gens ne comprennent pas, quoi. S'ils venaient voir comment ça se passe, toute la procédure qu'il faut pour réussir à faire un envoi, il faut déjà avoir un permis CITES. Déjà, ça, alors là, c'est un niveau d'administratif qui est. Tiens, allez, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Ah, il est plus. Voilà. C'est vrai que ça vient pas d'à C'est vrai que côté. ça vient pas d'à Attendez. côté. Tac. Marche pas. Mais là, alors je sais pas si vous la voyez, mais cette pile-là, c'est pour 2 mois de CITES. Attendez, elle est où? Voilà, ça, c'est 2 mois de CITES. On voit le pavé, là. On voit le pavé, là. Voilà. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à retourner. Ah si. Ah non. Ah, ça y est, là. Ah, ça y est, là. Cette pile-là, voilà, vous pouvez voir l'épaisseur. Voilà. Ça, c'est la documentation nécessaire pour 2 mois de CITES. C'est en fait de la C'est paperasse, en fait hein. de la paperasse, hein. Donc voilà, déjà, si vous arrivez à réunir ça, déjà, ici, je peux vous montrer, on a un mur de licence. Vous montrer ça. Attends, faut que je fasse le On se tour. rend pas compte, hein. Faut que ça se tourne. Donc moi, ça me fait rigoler les gens qui pensent que c'est comme des bonbons ou des boîtes de conserve. Ça me fait rigoler.
Mais moi, je t'avoue que ça me fait Rigoler. Moi, je rêver t'avoue que ça me fait rêver quand j'ai d'avoir dans mon bac des d'avoir coraux dans qui mon viennent bac des d'Australie. Hein. coraux qui viennent d'Australie. Hein. Ah non, mais voilà, les gens, moi, ce qui m'énerve, c'est que les gens ne l'apprécient pas, quoi. C'est Ouais, je qu'en sais. plus, c'est trop Ouais, cher. je sais. Voilà. Voilà. Vous voyez, chaque cadre, là, Ouais. Ouais. c'est une licence. D'accord. Alors, du D'accord. département du commerce, voilà, ça, c'est le Forestry Department. Voilà, ça, c'est quoi? Ça, c'est encore le Forestry Department. Alors, ça, c'est quoi? Voilà. Ça c'est la licence de la société, etc., 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 etc. Voilà, celles-là, il faut Ouais. toutes les avoir, une par une. Voilà. Pour pomper de l'eau en mer, on a besoin d'un permis. Pour le générateur, on a besoin d'un permis. Pour, enfin, Ouais, puis tout ça, c'est c'est payant. Ouais, juste, puis tout ça, c'est c'est payant. juste du délire. Et donc c'est pour ça que je dis que réussir à exporter des coraux, c'est déjà c'est un miracle. C'est un miracle, c'est pratiquement impossible. Donc là, il y a la ferme qui commence Ça commence à à s'allumer. s'éclairer. Ouais, ça commence à s'allumer. Ouais. Donc ça, c'est ce qui va partir demain matin. S'il y a Ça des part choses que où? vous voulez voir, Ça donc part où? attendez, je vais mettre le filtre. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Ah, si vous avez des questions, Si vous avez des allez-y. questions, allez-y, Voilà. dites-moi aussi à vous. Donc voilà, le sécalé tricolore. Bon, vous voyez, hein, ça c'est du microclados. Les tailles sont pas encore géniales. Et tout ça, ça va Et tout partir ça, ça où? va partir où? Ça part encore pour les États-Unis. Voilà, Ça là on fait a quand même de belles pièces, toutes les là. De belles pièces. différentes variétés de Ténuis. Voilà, homebreaker, un beau homebreaker. Ça, c'est du Walt Disney. Ah, est joli, hein. Allez, tu viens. Rosaria, Valida, Formosa, Doré. Pompe. Voilà, encore quelques. Voilà, les millepora, par exemple, sont encore un peu petits. Après, ça, c'est tout ce qui est petit pointeur. Tout ce qui est carbus. Soissonneau, des Carolinianas. Du Gomesi. Les grandis sont encore très Ouais, petits. Gomenzis, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est ce qu'on. Ça, c'est notre petite ferme, les coraux qu'on a cultivés depuis 2 ans. Ouais, Voilà, on va pouvoir recommencer à exporter. Il y a des trucs sympas, hein, notamment. Celui-là, je ne sais pas si vous le voyez. je vois pas ce que Ouais, je c'est. vois pas ce que c'est. C'est un paradisia vert métallique avec les pointes oranges. On voit qu'il est bien Ok, vert, on voit bien pas les vert, pointes on voit pas oranges. les pointes oranges. Ouais, puis, voilà. Puis, alors là, c'est quelques trucs. Mon petit studio de photo. Là, du Bonopora. Ouais, il y a de la couleur, hein. Ouais, il y a de la couleur, hein. Ouais, et encore, voilà, Et ce filtre. ça fait 2 ans, on l'a jamais vraiment, on l'a jamais vraiment mis en route correctement, quoi. Ouais, vous Et le maintenez, quoi. ouais, vous les bon, maintenez. voilà, ça produit un peu de filière, ça produit un peu de choses. Là, morning. Les employés qui commencent à arriver. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez, quelque chose de particulier que vous voulez voir. Ouais, j'ai demandé, Ouais, mais j'ai pour demandé, l'instant, mais pour l'instant, non, on m'a dit possible de on m'a voir les dit nouvelles possible de souches voir les nouvelles produites. souches produites. Alors, les nouvelles souches produites, si vous allez sur le Facebook de Bali Aquarium, c'est là où on les met. D'accord. Alors, tac, 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 tac. Alors, nouvelles souches produites. Alors, il y a celle-là. On a cette espèce de valida. Alors, c'est pas, je peux pas trop m'approcher, quoi. Je mets la main dans l'eau. Mais ce valida a 3 couleurs, donc avec tout le corps vert,
Oui, C'est la même espèce que celui-là. Alors ça, c'est le celui-là qu'on avait avant, tout violet. On l'appelait le lavender. Et maintenant, on a cette souche donc, qui a toute la le corps tige vert. verte en plus. Voilà. Et après, est-ce que j'en ai là? Alors, attendez. J'allais chercher une lampe bleue pour que vous le voyez un peu, sinon vous n'allez pas le voir. L'éclairage est assez blanc pour l'instant. Et ouais, on a une souche d'Acropora cardus qu'on avait d'habitude en rouge. Et là, on a une souche qui commence à être dorée, quoi. Ouais. Ouais. Ah bah c'est vrai que tout le monde Ah a bah c'est hâte vrai que de tout le voir monde les a hâte de coraux voir les coraux d'Indonésie. d'Indonésie. Ouais, c'est joli, hein. Ouais, c'est joli. Voilà. Bon, il faut les éclairer avec de la lumière bleue pour vraiment le voir correctement. Hein. Ouais. Sous lumière blanche, c'est pas la même Ouais, chose. on voit pas, ouais, il faut Et marron. donc sous lumière bleue, elles sont dorées, quoi. Alors que d'habitude, bon voilà, ça c'est du Pac-Man Airlock, normalement c'est rouge, quoi. Plus dans ce film-là. Ils sont lourds. Voilà, ça fait partie des premières souches qu'on va petit à petit. Là, j'ai quelques Mantipora qui sont sympas. Ouais. Petite culture de Gastomussa. Tocinarina. J'ai aussi une nouvelle souche d'un Acropora, mais pour l'instant, on n'a pas encore les permis d'export. Donc, tant qu'on n'aura pas, on ne pourra pas l'exporter. J'ai une ou deux autres souches d'Acropora. Mais il faudra un peu de temps quand même On me demande vous pour qu'on êtes quel puisse les produire. Pardon? On me demandait vous On me êtes quel demandait vous type étiez avec quel type d'éclairage. d'éclairage. Alors, moi, je suis un fan d'Illu Magique. Donc, voilà. Donc, ce qu'on Ouais. utilise. Beaucoup les Américains On qui utilisent ça. utilisent ça. Alors, à la base, c'est taïwanais, donc Illu Magique. C'est devenu populaire. Voilà. Alors, ça, c'est les Blaze. Donc, ça, c'est 300 watts. Hein. Ouais, ok. Ouais, ok. Voilà. C'est les premières LED que j'ai essayées sous lesquelles j'arrivais à tenir coloré des Acropora, quoi. Et après, j'ai celle-là. C'est des Comboré. Celle-là, je les aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de ventilateur dessus, quoi. Là, le problème, là, c'est que nous, on est à 100% d'humidité ici, quoi. Ouais. Donc, si vous avez des ventilateurs sous les LED, en fait, ça aspire l'humidité dans la LED. Et comme c'est que de l'électronique à l'intérieur, ça finit toujours par lâcher, quoi. Donc, on est obligé de prendre des LED qui sont hermétiques. Donc, là, je vais recevoir, des nouvelles, leur nouveau modèle, là, les Vitamini. Et voilà. Et donc moi j'ai toujours voilà, elles sont un peu rustres parce que bon ben voilà, la forme elle est pas C'est pas exotique comme design, c'est des pas design. Ecotec ou mais moi je les trouve très efficaces quoi. Et puis ça fait plus de quoi 3 ans maintenant que j'en ai et j'en suis très content. Malheureusement il y a personne qui les importe encore en Europe. Ouais. Ouais. Donc Ouais, voilà, mais dommage. bon, voilà. Ouais, dommage. Après, bon, moi j'aime bien Reef Octopus. Bon, voilà, donc j'utilise des pompes Reef Octopus, des écumeurs Reef Octopus. C'est pas trop cher, c'est fabriqué en Chine, pas trop loin de chez nous, donc c'est facile à faire venir. Et puis après, ben, ça tourne sous Triton. Donc Ouais, après, des sous-traitants. Et après, ben, voilà, hein, la partie filtration. Voilà, donc elle a été faite. Les écumeurs, le refuge. C'est juste du classique pour l'instant, quoi. Ouais, du coup, bah oui, du Le coup, bah oui. système, il a été dessiné pour fonctionner sous Triton. Oui, c'est ça, c'est pour ça que t'as le Oui, gros c'est ça, c'est pour refuge. ça que t'as le gros refuge. Voilà, gros refuge. Et puis c'est des raceways, donc c'est du. L'eau circule en boucle. Voilà, puis il y a quelques pompes qui viennent casser un peu
ce flot laminaire. Bon, voilà, après, sinon, voilà, on commence à remettre les bacs d'export plus classiques en route. Voilà, sinon, comme celui-là, là, tout ça, c'était vide. La majorité, il y en a encore pas mal qui sont encore vides. Celui-là est relancé, mais bon, c'est pas encore. On est loin d'avoir atteint une vitesse de croisière. Ouais. Là, il y a un export de poissons ce matin sur les États-Unis. C'est vrai que les exports de poissons n'étaient pas stoppés, mais le problème c'est que l'export de poissons, c'est rien. Non, le problème c'est que c'est pas rentable. Il faut envoyer avec les coraux, quoi. Le voyage. Ah ben non, c'est-à-dire que c'est sur les poissons, vous essayez de travailler, de pas perdre d'argent. Voilà. Au prix où les poissons sont vendus, le problème c'est qu'il y a trop d'intermédiaires. Non, mais c'est sûr. Donc, voilà, il y a plein de gens qui font juste prendre la boîte à un endroit et la déposer à un autre et ils prennent une commission au milieu, quoi. Donc forcément, à la fin, il n'y a plus personne qui gagne sa vie, quoi. Donc voilà, quoi, à commencer par les pêcheurs, tout ça. Donc, pour moi, les poissons, c'est une balafre, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de toute façon, voilà. Si c'était à moi, je l'arrêterais de suite. On a plus d'élevage. D'élevage. Deux secondes. Il y a un appel sur notre téléphone. Vas-y, c'est quoi la question? On demandait le pourcentage de lumière bleue et blanche sur tes rampes. Sur les îles magiques, il y a trois canaux. Donc, il y a bleu, blanc et ultraviolet. Okay. Donc, elles ont un truc, c'est que. Donc, on peut tout mettre à 100%. Et s'il y a un des canaux qui est en dessous de 20%, on peut booster les autres canaux jusqu'à 140%. Ok. Donc, c'est comme ça que ça marche chez eux. Là, sur les deux systèmes, alors j'ai un système où on met les acroporas. Donc, les bleus sont toujours à 100% ou 140%. Donc, ça commence le matin avec les UV en dessous de 20% et les bleus à 140%. Et au fur et à mesure, on remonte les blancs dans la journée jusqu'à arriver à 100% de tout, en fait. Et par contre, les UV, ils sont à 100% juste pendant, je crois, 4 heures. Pendant 4 heures, les UV sont à 100%. Et après, ça baisse. Il y a les téléphones qui sonnent dans le bureau. Et après, pour les autres, pour le bleu, pour les LPS, je force sur le bleu. Donc, j'ai les UV qui sont tout le temps en dessous de 20% et les bleus qui sont pratiquement tout le temps à 140%. Et les blancs qui montent jusqu'à 40%, je crois, au maximum. On a du mal en France à mettre du bleu. Ça commence à venir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? C'est voilà, vous voyez, le Macron, il a pas tout à fait tort, hein. Le Gaulois réfractaire. Moi personnellement, je l'ai vu, quoi. Je veux dire, j'étais pas fan non plus, quoi, à la base, mais ça a recréé, ça a redynamisé tout le récifal. C'est ça le truc, c'est que il y aurait pas eu ça. Je pense qu'il y aurait peu de monde qui ferait du récifal de nos jours. Ouais. Ouais, donc c'est arrivé à un moment où alors c'est pas une
c'est pas une révolution technologique, c'est pas une. Il y a beaucoup de mensonges qui ont été faits sur les LED. Hein. C'est pas aussi solide que qu'ils le disent. Au final, si on veut une lumière correcte, ça consomme autant d'énergie que du T5. Ouais. Donc il y a beaucoup de mensonges qui ont été faits, il y a beaucoup de légendes qui ont été faites sur la LED, mais après le bleu, moi je pense que ben voilà, ça met en valeur les coraux. Alors, on peut dire que c'est naturel ou c'est pas naturel. Moi je trouve que c'est naturel, c'est juste que ben voilà, c'est notre œil à nous qui c'est nous qui le voyons comme ça. Quand tu plonges sous l'eau, c'est bleu. Ben ouais, pas autant, hein, il y a moins de lumière, hein, mais bon voilà, ça met en valeur le corail, donc on est passé petit à petit de l'aquarium récifal qui mélangeait coraux, poissons, tout ce qu'il veut, à l'aquarium de corail. Ouais. Voilà, où avec ses lumières bleues, le décor il se voit même pas, où les poissons sont juste là pour l'entretien, et la pièce maîtresse du bac, c'est le corail. Ouais. Donc moi, pour moi, au final, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que ben au final, ben les LED bleus, ben ça met en valeur le corail et du coup, ben ça détourne l'attention au lieu d'être sur un bac récifal avec poissons, avec toute la faune, ça concentre l'attention sur le corail. Et moi qui suis éleveur de corail, ça va dans mon sens quoi. J'ai toujours une passion pour le corail, donc ça met en valeur le corail, donc ça me plaît. Ouais. Bah, après, bon voilà, je peux comprendre que c'est que certains gens soient un peu réfractaires à ça, quoi, soient toujours dans l'objectif de l'aquarium récifal. Et il n'y a pas de souci. Mais bon, quand on veut, mais il y a certains coraux, si on les met sous bleu, ben voilà, on les met en valeur, quoi. Ouais, bah même les boutiques, maintenant, ils le font. Aux États-Unis, vous n'avez aucun bac qui est pas sous bleu, quoi. Ouais. Ça n'arrive jamais. Ouais. Non, bah oui. Bah, on a fait l'inauguration ce week-end. Ouais. La Récifatome. Ouais. J'ai vu ça. Ouais. Ouais, t'as vu, c'était joli. T'as vu, c'était joli. Ils sont sous bleu. Il n'y a pas le choix. Ouais. Il n'y a pas le choix. De toute façon, rester sous blanc, c'est vivre dans le passé. Il faut vivre avec son temps. Mais ça commence à venir en France. Ah mais bien sûr, ça, c'est obligé que ça vienne. Mais on a du retard. Ça va venir de plus en plus vite, quoi. Je pense que... Moi, je me fais pas de soucis. De toute façon, il y a un intérêt qui est plus important maintenant pour les coraux que pour les poissons. Oui. Je pense, il y a plus de boutiques maintenant. La majorité des boutiques sont focalisées sur les coraux et pas sur les poissons. Après, je sais pas, j'en ai pas vu beaucoup en France des boutiques, donc c'est dur de me rendre. Enfin, c'est difficile pour moi de me rendre. Non, mais t'as raison. Mais j'en ai vu beaucoup, que ce soit en Asie, en Australie ou aux États-Unis, et je vois celles qui sont pas focalisées sur les coraux, on dirait des cabanons d'il y a 20 ans, quoi. Ouais. Donc on sent bien que l'énergie n'y est plus. Ouais. Donc ils sont en train de faire du terrain. Pendant l'inauguration, il y avait pas dégorgé pendant les deux jours. Et les bacs de poissons, il n'y avait pas grand-chose. Par contre, les bacs de coraux étaient remplis. Et les gens sont venus. C'est tout, hein. C'est un changement. Notre passion est en train de changer. Et maintenant, l'objectif se concentre sur les coraux et plus sur les poissons. Donc voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Il n'y a pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est comme ça. Moi, je trouve ça bien parce que je trouve que les coraux sont pas plus intéressants que les poissons. C'est pas vrai, mais sont tout aussi intéressants que les poissons. Donc voilà, et puis surtout, il y a plus de diversité. Chaque corail est unique. Ce qui rajoute une couche de chance, d'indécision, rien n'est établi. Un corail peut arriver jaune et se transformer en rouge, c'est ça, etc. Ouais. Donc ça rajoute une couche de travail, une couche de choses qui sont difficiles à contrôler. Et moi, je trouve ça fascinant, c'est tout. Ouais.
Ah bah, des fois, tu Ah bah, des fois, t'achètes une petite boutures, bouture, tu te dis c'est prometteur. espère Espère avoir avoir trouvé une trouvé la petite bouture bouture, et de l'avoir poussé et de dans le l'avoir bac, c'est poussée dans sympa le bac, aussi. c'est sympa aussi, quoi. Bah ouais. Puis surtout qu'elle va changer, quoi. C'est ça qui est magnifique, quoi. C'est que... Ouais. Et voilà, moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Il vaut mieux acheter une petite bouture d'Acropora marron et l'avoir évoluer et devenir bleu, verte, rouge. Alors, des fois, on gagne et des fois, on perd. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Plutôt que d'acheter un truc de toutes les couleurs et de le voir devenir marron, au fil des mois, quoi. Mais bon, ça, les gens ont un peu de mal, hein. Ça, c'est délicat, quoi. Ouais, bah c'est vrai que Ah des ouais, bah c'est fois, vrai que des fois, bah tu te bah trompes, tu hein. te Tu trompes, penses hein, que tu ça va être penses que ça va être prometteur et puis. prometteur et puis bon. Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile. Alors, moi, je sais que je l'ai dans le sens inverse, hein. C'est-à-dire que par exemple, on me demande, voilà, est-ce que tu as du Walt Disney? Alors, moi, mes coraux sont élevés en mer. Donc, ils sont dans les conditions naturelles. Donc, il faut que j'arrive à comprendre, et en regardant le Walt Disney, quelle souche de Ténuis peut devenir comme un Walt Disney? Donc, voilà, donc je fais la démarche inverse. Alors, des fois, je gagne, des fois, je perds, mais j'apprends à chaque fois. Ah, puis c'est pas évident, toi, Ah, puis c'est sous pas l'eau, évident, pour toi, sous l'eau, voir. pour voir. Ah ben maintenant, on a des lampes bleues qu'on amène sous l'eau. Hein. On est obligé, hein. On est obligé. Ça sert à pas mal de trucs, notamment pour trouver les espèces. Souvent sur les Montipora, par exemple, les polypes sont très petits et sont souvent colorés de façon différente, quoi. Et c'est vrai que sans lampe bleue, ils sont difficiles à voir, quoi. Donc la lampe bleue permet quand même de... Tiens, d'ailleurs, la lampe que j'ai, je la conseille. Je vais vous montrer ce que j'ai. C'est un très bon modèle. Donc ça, c'est Sea Life qui fait ça. C'est Sea Life qui fait ça. Donc je vais vous montrer. Donc c'est une lampe sous-marine, Oui, on hein. voit. Oui, on Donc voit. elle va sous l'eau, hein. Donc avec elle peut faire bleu et elle peut aussi faire blanc avec différentes intensités. Et donc ça, c'est vraiment parfait. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Donc Ok, là, c'est bon. Ok, là, c'est bon. Ça va. on s'en sert à la ferme et je m'en sers aussi sous l'eau, quoi, régulièrement, quoi. Donc je la prends. Alors c'est vrai que sous l'eau, si vous faites une plongée de jour pas profond, vous l'allumez, vous ne voyez pas le bleu, hein. Il y a tellement de luminosité que le bleu il passe pas, quoi. Par contre, de nuit ou alors à partir d'une certaine profondeur ou dans des endroits qui sont un peu à l'ombre, là on le voit. Mais bon, c'est Est-ce pratique. que ça, Est-ce tu que la ça, trouves en tu la Europe, trouves en toi? Europe? Oh, ben, j'imagine, Sea Life, c'est Sea Life, Sea Dragon. C'est Bien sûr, une adoré. marque Ça me dit américaine, rien, je quoi. suis sûr qu'elle est disponible. Je suis sûr qu'elle est disponible en Europe. Ils font des appareils photo aussi, sous-marin. Bah là, j'ai testé Bah là, j'ai les testé lunettes les lunettes polarisantes. polarisantes. Ouais. Là, c'est pas mal, Ouais, hein. bah, Ça c'est donne pas des mal, hein. sacrées Attends, ça couleurs, donne des hein. sacrées couleurs, hein. Ouais, c'est disco, quoi. Ouais, c'est une ambiance, ouais. C'est une ambiance, mais ouais, ça marche bien. Enfin, dans tous les shops aux États-Unis, ils vous les proposent, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, bah. c'est ça, bah. Et Et du coup, c'est vrai, quand tu vois les du coup, c'est vrai couleurs que quand tu avec vois ça, les couleurs avec ça, c'est fou. c'est fou. Ouais, voilà. Après, Moi, tu rapportes encore avec après, les tu rapportes lunettes. ton accord avec les lunettes, quoi. Faut quand même voir les deux, quoi. Moi, j'aime bien essayer de voir les deux, quoi. Mais ouais. Alors après, pour les filtres, moi j'utilise pas mal. Voilà, je les ai là. Polyplab. Et puis Eye of Ouais, c'est ceux Horus. que Ouais, c'est j'utilise. ceux que j'utilise. Voilà, les deux. Alors ça dépend. Voilà. Les polyplab, le jaune, l'orange. Voilà, j'aime bien. Ça dépend l'appareil photo, ça dépend le bac, ça dépend de plusieurs choses. Donc je jongle souvent entre le polyplab orange et l'Eye of Horus. J'aime bien l'Eye of Horus parce qu'il donne un rendement, il donne un résultat qui est finalement assez neutre. Donc même si c'est éclairé très bleu, ça donne quand même un résultat où c'est blanc, quoi. Alors que le polyplab a vraiment, enfin, ça rend vraiment les fluorescences, quoi. Donc il y a certaines couleurs avec le polyplab, elles marchent pas très bien, quoi. Elles marchent mieux avec l'Eye of Horus et vice versa. Il faut Donc les voilà. deux, quoi. Il faut moi j'aime bien avoir les deux, quoi. Ça dépend des éclairages, hein. Sur les lumières bleues, je préfère utiliser l'Eye of Horus, et sur les lumières blanches, je préfère utiliser le polyplab.
Ouais, mais Ouais, mais je pense que tu as raison, ce mari de mon boutique. Et Et Polyplabs, avec j'ai du mal Polyplabs, j'ai quand du c'est mal, trouvé. moi, quand c'est trouble. Voilà. Donc, voilà. Vraiment, voilà, il faut essayer, pour en utiliser plusieurs. Ouais, la lampe, Ouais, vous la m'avez lampe, envoyé, on ça m'a y est, il y envoyé, a ça y est, il y a le lien le commentaire en pour commentaire pour acheter la lampe. acheter la lampe. Ça Ouais, y est, Lewis qui m'a ça y envoyé est, le Louise lien. qui m'a mis le lien. Combien il coûte en Europe? Juste pour Je être sais pas, curieux. j'ai pas Mais je sais pas, j'ai cliqué. pas Lewis, tu m'as cliqué. dit Lewis, en fait, le 389. 489. Ah, quand même, ouais. Ouais. 489 Ouais. euros. Ah ouais, Ouais. elle est pas donnée, Ouais. elle. Ah ouais, je Ouais. pensais que c'était Ouais. moins cher que ça, quoi. Ouais, Ouais, mais c'est bon, pas voilà, donné. c'est une lampe vidéo sous-marine, hein, donc elle est puissante Ouais. et voilà quoi. Ouais, ça Ah, m'intéresse. ça Regardez m'intéressait, j'allais plonger là. pour nous Ouais, en mer à bleue, en l'affaire, mer on s'en rouge. sert souvent, quoi. Bon, Voilà, bah, voilà. Bah, je vais bon, te bah, ouais, laisser, je vais peut-être te Vincent. laisser, Vincent. Voilà, on va commencer la journée. J'ai pas encore eu mon café, je vais devoir aller prendre mon café. Bah ouais, Mais bien, bon, voilà, ça moi, fait plus d'une heure, quoi. c'est toujours compliqué avec la France de s'entendre sur un horaire parce que c'est soit on le fait ben, très tard la nuit, malheureusement pour vous, c'est à 7 heures, enfin à minuit le soir, quoi. Pour nous, c'est 7 heures le matin, donc c'est un peu tôt aussi, quoi. Ou soit on le fait en fin d'après-midi, mais en fin d'après-midi, déjà, il fait chaud. Donc c'est pas agréable. Et de deux, nous, on est des lève-tôt. Donc on se lève tôt et à 4 heures, on finit de travailler. Et à 4 Ouais, heures, c'est c'est ouais, ça chaud. fait À trop 4 chaud. heures, il y a tous les employés, il n'y a plus personne à la ferme. Donc voilà, donc on commence tôt et on finit tôt, quoi. Tous les emballages sont souvent tôt le matin. Donc voilà, c'est une habitude. Quand on va en mer, on va en mer tôt le matin aussi. Donc voilà, bah, c'est comme ça, quoi. Ouais, mais c'est gentil, Bah c'est gentil d'avoir pris le temps, d'avoir quoi. pris le Il n'y temps, a pas quoi. de souci, mais si cet horaire vous convient, on peut le faire plus souvent. Ouais, moi, il n'y a pas de Ah ouais, moi, il Ok. n'y a pas de souci, hein. Donc Donc, on voit ça, puis en plus, on on va voit ça, puis en améliorer le plus on va réseau. améliorer le Donc, réseau. prochain Non, coup, mais dès le là, prochain ça, coup, on alors je aura un sais meilleur pas, réseau. je vois pas, je te vois pas toi, Ouais. mais je t'entends Ouais. très bien. Et Ouais. je sais Ouais. pas ce que ça donne de l'autre côté, mais j'espère que ben, ça marche bien, quoi. A priori, j'ai pas de Ouais, a soucis, priori, j'ai j'ai bien pas de qui soucis, j'ai contrôlait. bien qui contrôlait. Et Ok. c'est bien passé, tout C'est en bien voit rien. passé, tout on voit bien. Et pour Et le prochain coup, ben je, voilà, voilà, si si vous vous avez aurez des une meilleure questions, résolution, préparez vos questions. quoi. Ouais. Ouais. Et je me ferai un plaisir d'y répondre Ouais. dans un Ouais, parce prochain que, ouais, parce live. que là, toi, on on l'a l'a fait fait un peu dernière live, minute, quoi. le live, quoi. Voilà, c'était surtout Ouais. pour essayer la technique. Ouais, parce que Ouais, parce que surtout qu'après, surtout qu'après, tu peux tu inviter peux inviter plusieurs personnes en même plusieurs temps, personnes maintenant. en même temps maintenant. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Ouais. Donc, ça va être Ça, bien. ça va être Ah, bien. ça c'est une bonne idée, ça. Parce que là, du coup, on pourrait faire ce live avec Essan, alors. Essan est à Cairns, donc il pourrait être à Cairns, moi ici, et toi là-bas. Si au Ouais, niveau du son, ça ça marche. passe, ça pourrait le faire. Ouais, nous on a fait des Ouais, nous on essais, a fait on des espère que essais, on doit jeudi, refaire jeudi. on fait un essai On fait un essai jeudi à jeudi à 3-4. 3-4. Ok. Et on Et voit ce que ça on voit donne ce que après au ça donne niveau du après au niveau réseau. du réseau. A Super, bah priori, tiens-moi au courant ouais. et c'est avec plaisir si ça marche. Après, en plus, moi, je vais avoir Après, la en plus, fibre moi, je qui vais va avoir la arriver. fibre qui va arriver Ouais, alors moi, je suis quand même chez limité au moi. niveau Internet, Ouais, hein. Là, parce que c'est vrai, parce que c'est moi qui. chez le fournisseur, là, à la ferme, là, il y a le Wi-Fi, donc ça va. Après, c'est moi qui Après, c'est prends moi qui prends toute la source. toute la source. Ok. Donc, c'est Ouais. toi. Ok, Ouais. d'accord. Ok, Ouais, donc c'est toi qui donc au concentres mer, moi, j'ai un l'information. réseau un Et peu là, qui est j'ai un pas réseau un peu terrible. qui n'est pas terrible. Mais toi, limite, tu as Mais une toi, meilleure limite, qualité tu as une d'image que meilleure moi, qualité quoi. d'image que moi, quoi. Ah, je sais pas. Mais Je bon, ça, vois c'est pas. pas grave. Tout, on Ça, c'est pas regardera à toi, grave. Le de plus toute important, façon. c'est de ton côté, quoi. Ouais. Bah écoute, ici, ça va, on a une connexion correcte, mais correcte pour l'Indonésie, quoi. Ouais. Après, je pense que Essan à Cairns, il a une connexion correcte aussi. Ouais, donc Ouais, ça pourrait le faire. donc ça. Ouais. Bah, je fais le Ouais. test Bah, demain. je On fais le refait un test test demain. demain On en refait un live. test demain en live avec Facebook. Ouais. Et puis Et puis je te on va tiens déjà essayer, ça on va marche, déjà hein, donc essayer, on ça va marche, hein, réessayer. donc on va Et réessayer. puis je te tiens au Et courant, puis je quoi. te tiens au courant, quoi. Ça Et marche. puis on peut faire un Puis essai on peut avant faire un en essai off, avant en comme off. on a fait tout à Comme l'heure. on a fait tout à l'heure. Bah, il faudra, de toute façon, hein, il faudra être sûr que ça marche. Hein. Il faudra Et ça. puis comme ça Et on puis prépare à comme ça, on l'avance les prépare à questions et l'avance tout les ça, quoi. questions et tout ça, quoi. Ouais. Super. Bon, bah, je te remercie, Thibaut, je te Vincent. remercie encore. Bonne Ouais, moi nuit. aussi. Ouais, Ouais, moi aussi. je vais me coucher, moi. Je vais me coucher, moi. Ciao. Salut, Vincent, à bientôt. Bonne nuit. Salut, Salut, Vincent, à ciao. bientôt. Ciao.
Bon, bah, ça y est, hein, c'est fini ce petit live. Hein. Merci. Merci à tous. Oui, je suis en train de Vincent, tempe le son et la vidéo. Merci. Tout va bien, juste le son de Thibaut qui est pas trop top. Oui, ouais, mon son est un peu pourri, ma caméra est un peu pourrie. Mais le principal, c'était qu'on entende bien Vincent et qu'on voie Vincent. Quoi. C'était là le but du live. Là, parce que avec tout le stuff, on a cherché. Enfin, surtout. Lewis, Kisoda, notre expert en informatique du groupe, qui s'est creusé la tête pour nous trouver un réseau, avec Benjamin Dormer, et on a trouvé ce système-là. Donc là, on va l'améliorer, on refait un live demain, on va essayer peut-être avec Benjamin, peut-être Valérie, Jonathan Marcotte, il y aura peut-être Lewis avec nous, donc on va essayer de mettre plusieurs pour répondre à vos questions, donc on fera un petit live, pour répondre à toutes vos questions et pour tester le live avec, par exemple, avec 4 écrans différents, quoi. Et là, c'est Benjamin qui lancera, quoi. Donc, sympa à tous d'être venus à cette heure-là, hein, parce qu'il est 1h du mat. Donc, c'est cool. Par contre, je vois pas vos noms. Ça va falloir qu'on règle le problème. Je vois les commentaires, mais ça me met utilisateur Facebook. Donc, vous êtes tous des utilisateurs Facebook, mais j'ai pas votre nom. Donc, je vois pas qui me parle. Ça, je le reverrai après en vidéo sur Facebook. Donc voilà quoi. Donc demain on recommence. Hein. On se refait un petit live avec le staff, questions-réponses. Par contre, on se fait ça à 20h30. Et après, je refais un live avec Vincent et avec Hachan Dashti. Où on se fera un live multiple, quoi. Donc content d'avoir fait ce live, le premier live Facebook en duo, quoi. Parce que. Plus on pouvait plus, hein, parce que Facebook, ce sera impossible de faire des lives en duo sur Facebook. Hein, ils ont coupé. Donc ça, c'est fini. Donc maintenant, il faut un nouveau support. Donc on a trouvé ça. Enfin, Lewis nous a trouvé ça, donc c'est top, quoi. Donc je vous remercie à tous. Une bonne nuit là-dessus. Et à demain pour un live à 20h30. Question-réponse. Ciao.